Qu'est-ce qu'il y a des quêtes à faire? Non, pas de quêtes à faire. Mais j'ai réussi à faire un truc tout à l'heure. Je les ai mis en choc. Mais celle-là, j'y arrive pas. Celle-là, j'y arrive. Mais celle-là. Attends, je vais bien la relire. Ouais, donc je vais faire une compétence sur un ennemi en choc. Mais c'est chaud de mettre un ennemi en choc. Bah ça les tue en général. Bon ben, allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. Ouais. On a vu tout à l'heure. Vous pouvez modifier ces matériaux même quand elle est pas là. Mais je peux modifier ceux de Barrett alors? D'ailleurs. Ah oui, Barrett, je peux. Et je l'ai pas mis en autre. Waouh! Comment je passe à l'autre? C'est comme ça qu'on a eu une matériel en plus. Il y en a 30, donc ça va. Oui. Et là, je pourrais passer à l'autre. Ou pas. Que je regarde si moi aussi j'ai ça. Attaque magique. Défense physique. Il en reste deux. Ok. Comment ça fait tout seul que ça? Ouais, parfait. Pas toujours. Non, c'est pas ça. D'accord. Ça augmente son attaque. C'est bizarre qu'elle a gagné des points celle-là. Je l'ai pas employé. Ah si. Celle-là que j'ai pas employé. Non plus, il n'y a pas de plus. On passe non plus. Oh, pas mal ça. Ok, ça va venir. Hein. Je vais peut-être en débloquer une après. Donc, je peux lui mettre des matériaux. On va mettre ce qu'on n'a pas mis aux autres. Hein. Alors soit on a... On va lui mettre remède. De toute façon il reste dans... On va lui mettre vent, et là... Voilà. C'est que de la magie, c'est pas vraiment son truc. Mais bon. Allez c'est parti. J'aurais jamais imaginé ce bidonville en croix. Il fait tout bleu maintenant. Peut-être pas. Parce que c'est le matin. J'ai une voisine qui est venue me voir tôt ce matin. On va voir si le magasin a un truc nouveau. Bah, si je le trouve. Ah, on est chez les chats. Donc ça c'est les filles. On peut pas y aller. Voilà, on leur dit l'attentagement et ils obéissent. Il faut vraiment en faire. Rassurez-vous,
gamins du bidonville sont habitués. Ah, il est revenu lui. Il veut rien lui. C'est grâce à toi, le mercenaire le plus réputé de tout le secteur, si je reçois de plus en plus de commandes pour des épées géantes. Et t'en vends maintenant ? Toujours pas. Oui. J'ai l'impression que... Ne vous inquiétez pas. T'as pas des compétences Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Ouais, donc on aura pas de nouvelle mission. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Probablement. Il paraît qu'il se battait contre les... Ah, il voyait pas les créatures. Ah, content de te voir. J'ai quelques articles spéciaux pour toi. C'est ça. On a que 3, bon, on va les prendre. Ok, on en a un sac. C'est parti, j'ai comme un gars. Tiens, pourquoi ça brille? On en a des partout. Vous pensez que je ferais un truc spécial? On va aller voir. C'est pas loin. Tu veux rien toi? Ok, tu fais des grands films mais tu veux rien. Hey, salut! Les articles que je vends changent en fonction des circonstances du moment. J'espère que ça te plaira. Bah c'est la crise mec. C'est moins cher, on prend. Ah, il y en avait là. Okay. Bon, on a pris dans une potion. Bon. C'est un ferrailleur, je pensais qu'il y aurait des armes. Ouais. Allez, avec son regard. C'est qui est par là? On vient de le dégommer. Oui, en détruisant des réacteurs, il force. Rien de nouveau ici. Ah, mais il y a un marchand. Si jamais je reviens, ah, passe une bonne journée au travail. Sur le plateau. J'en ai vu très Ces articles que vous m'avez achetés, est-ce que je peux les vendre aux autres clients comme les objets préférés de Cloud le mercenaire? Je t'ai rien vendu. Hein. Ok, t'es... Oh, je le prends. Ok, j'ai 3 disques. Cloud, vos capacités sont bien supérieures à tout ce que j'avais estimé. T'es pas là-bas avant? Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Mais... On vient de te parler. J'ai fait le tour de la ville pour te parler. T'es fier en même temps. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Ok. Nouveau. Non, pour 2 sur 4. Ah, moi je veux bien, mais rien que j'y arrive pas, quoi. J'en peux plus. Je peux plus résister. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Mais ouais, il manque le train. Higgs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas?
La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on leur fait sauter un aujourd'hui. Et un demain, ok. C'est leur faute, qu'ils assument. Restez tranquille. Mais ouais, ils font descendre du train. Nocturne. Avant, je suis d'accord, mais là, c'est plutôt le matin, quoi. On va au 5, non ? On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser. Ah, ça marche. Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ouais. Ok. S'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. Elle est où la fille qu'on cherche? Je vais pas oublier, hein. Regardez-moi ces petits points sur la... bien assis quoi, donc c'est pas comme si ça manquait de place. Tu veux pas aller voir s'il y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah arrête, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Heureusement qu'on est discret. Un mec avec une grosse... Oh, une taille. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. Hein? Ah, à cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Mais ils pèteront. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Roquette de merde.
sais très bien que ça vaut pas le coup. On l'a eu. Donc ils ont la référence. Ah, un matériel de soi. Vous n'avez rien à redire, pas vrai? Comment on peut le reduler? Bah je vais où je veux en fait. Et en fait je ne suis pas sans comprendre les revendications d'Avalanche. Mais je pourrais me faire arrêter peut-être plus tard. Où est Tifa? Tu ferais mieux de pas la laisser seule. Putain, le truc il ne nous allait pas. Hein. Allez, plus loin. Ah, si. Contrôle des identités en cours. Mais pourquoi ça se passe? Contrôle des identités en cours. Ça va, on risque quand même. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Début du ratissage de sécurité. Oh non! Venez par là! On se grouille! Mais. Cassez pas le train! Ça va, on a deux heures. Ah, deux minutes. Merde, j'ai pas analysé. Là, il faut les portes ouvrir. Attends, je m'analyse. Ah, j'ai deux minutes, c'est bon. Monsieur ne passe pas les portes si les monstres sont pas... Oui, comme ça. Employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde. Bref. Dans ce cas, je m'occupe de ça. À mon tour. Ça ne finit pas. Ah. C'est pas une raison pour. Observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade! Il suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Et au plan E, c'est pas con. Elle est pas trop lourde. Tifa, tu peux te battre? Sans problème. L'article.